chers amis de TV Liberté, bonjour, nous filons tous deux au cinéma. Bonjour, bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, vous avez vu le cas ? Le cas de Richard, le cas Richard Jewell. Oui. Qui est le dernier Eastwood. Oui. Voilà. Alors, j'étais un petit peu sceptique. Et puis, finalement, quand j'ai vu le film, j'étais un petit peu plus sceptique. Et puis après, j'ai essayé d'analyser. On décante un film, On décante. C'est un très bon film. Alors, le sujet n'est pas extraordinaire, mais vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire, c'est l'histoire de quelqu'un, alors, qui était très spécial, parce que c'était quelqu'un qui adorait l'ordre, mais qui exagérait. Il était dans un lycée, donc il allait vérifier, un étudiant n'avait pas mis les chaussures qu'il fallait, enfin, c'était un chieur en deux mots, etc. Mais qui était. Un perfectionniste. Oui, un perfectionnisme, enfin, un petit peu trop, et qui rêvait d'être du côté de l'ordre, sans arrêt. Donc, c'était l'ordre, c'est l'ordre, il rêvait d'être flic, etc., etc. En plus, il était. Comme il dit là-dedans, non, je n'ai jamais été homosexuel. Mais il était tout seul, il habitait chez sa maman. Je ne sais pas s'il était gros comme Paul Walter Hauser dans le film. Oui, parce un peu obèse, oui. Il est même carrément obèse. Mm-hmm. Bon, et un jour, il trouve. Moi qui suis un peu grossophobe, bon, ça me dérangeait. Mais oui, je suis grossophobe parce que quand c'est médical, on n'y peut rien. Ouais. Quand ce sont les gens comme aux États-Unis qui baffrent, il n'y a pas d'autre terme, des hamburgers toute la journée, et qui sont gros comme ça, 120 kilos. On est responsable de sa silhouette. On est responsable de sa silhouette, exactement. Et on n'est pas obligé de... Ça, c'est très à droite, ça, je vous signale. C'est un propos de droite. Oui. Ben, pour quelqu'un de gauche comme moi, c'est bien. Alors, il arrive un jour... Alors, il est à Atlanta. Alors ça, c'est l'histoire vraie, parce que c'est tiré d'une histoire vraie. Donc, il est à Atlanta, et il y a la foule, c'est les Jeux Olympiques, etc. Et tout d'un coup, il voit sous un banc un sac. Il trouve ça un peu bizarre, il dit aux gens, poussez-vous, aux gens ne font pas, etc. Il téléphone à la sécurité, etc. Et effectivement, il y avait une bombe qui explose, et comme il avait demandé aux gens de se reculer, parce qu'il trouvait ça un peu curieux et bizarre, il n'y a pas eu tant de morts, il y a eu un ou deux morts, je crois, mais pas mal de blessés, mais enfin, ça aurait été dramatique. Donc, tout de suite, on le traite de héros. Alors, complètement ridicule, c'est toujours la même chose. Même en France, on le fait aussi. Oui, vous avez des gens qui sont en Afrique, nos militaires en Afrique, et vous avez deux hélicoptères qui se rendent dedans, ce sont des gens courageux, ce sont nos militaires, on les soutient, mais c'est pas un héros parce que deux hélicoptères sont rentrés dedans. Absolument. On n'a plus la notion des mots maintenant. Donc, et la presse, évidemment. On sait ce que c'est aux États-Unis, encore pire qu'en France. C'est un héros, on le porte au pinacle, et puis le FBI cherche un petit peu, puis il trouve pas grand-chose, puis il se dit tout d'un coup, mais... – Si c'était lui. – Et si c'était lui. – Et tout se retourne contre lui. – Deux jours au lendemain, évidemment, tout se retourne contre lui. Alors, ce qu'il y a très bien dans le film, c'est de voir cette bascule, et comment cette personne... qui est un petit peu timide, un petit peu renfermé en même temps, qui a du mal à s'exprimer, et puis par moments qui parle trop. Bon, c'est une personnalité un peu curieuse, donc du coup on enquête sur lui, et on se dit tiens, il a une collection d'armes chez lui, etc. Donc, ça y est, le FBI est persuadé, et on lâche ça à la presse, et la presse c'est Haro sur le baudet, et effectivement, alors ça montre, c'est ça qui est très intéressant, ça montre comment la presse, du jour au lendemain, on l'a vu aussi sur des histoires aussi en France de crimes, Mais on l'a vu dans ce film dernier sur ces femmes qui étaient emprisonnées. C'était une comédie musicale. Trois femmes emprisonnées qui vampent l'avocat le plus fort de New York pour sortir de prison. Et alors on les voit devenir de criminels. Elles ont toutes tué un homme. Elle passe du stade de criminel au stade de vedette. Ben, on l'a fait en France. Souvenez-vous, quand notre président socialiste avait quasiment absous, remise de peine tout de suite de celle qui avait tué son mari. Elle a tué son mari. Je veux bien qu'il y ait des circonstances atténuantes. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'il va bassiner. Oui. Enfin, c'est pas pour ça qu'on passe pas en justice parce qu'on tire dans le dos de quelqu'un. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de bascule. Et alors, ça, c'est très bien vu. Lui, alors, ce Paul Walter Hauser que je ne connaissais pas, il est absolument formidable dans le rôle. Vraiment, là, ça va donner un bon coup dans sa carrière, bien. Un boost. Et, attendez, le problème, c'est qu'aussi, c'est très bien joué, il y a l'avocat, qui est très bon aussi, et le FBI. Et alors, vous avez cette partie qui est intéressante, enfin, les deux qui se chevauchent sans arrêt. D'un côté, le FBI, qui est toujours à la limite de la légalité, c'est-à-dire qu'on essaie de le faire venir quand il n'y a pas l'avocat, et à ce moment-là, on essaie de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire, etc. Et ça, c'est très bien fait.
très très bien fait. On voit que ce grand réalisateur qui est Clint Eastwood, 38 films, donc réalisateur, n'a pas perdu la main. Il a 89 ans. Oui. Et c'est quand même extraordinaire de voir, on ne dit pas que c'est quelqu'un de 89 ans qui a fait un film comme ça. Non, il sait filmer, c'est vraiment un bon film. C'est un grand bonhomme. Alors moi, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Garabandal, qui est un film fait sur ce miracle qui s'est passé dans les montagnes espagnoles il n'y a pas très longtemps. Apparitions qui ne sont pas reconnues complètement par l'Église. D'ailleurs, le sous-titre du film, c'est « Dieu seul sait ». L'Église n'a pas dit que c'était de véritables apparitions, mais elle n'a pas non plus nié que ça pouvait l'être. Donc on est dans l'expectative. Et c'est le récit de ces quatre petites filles à qui la Sainte Vierge, Saint-Michel d'abord, et la Sainte Vierge apparaît. Alors c'est très très bien fait, c'est d'une grande pureté. On voit un village espagnol dans les années 60, loin de nos villes et loin de toute agitation, un village très chrétien. Donc tout à fait normal que la Vierge apparaisse là. Un prêtre qui tout de suite est en phase avec ses apparitions, et bien sûr un évêque qui regarde ça de beaucoup plus loin, qui est une personne très occupée, d'ailleurs il le dira, et qui n'a pas de temps à perdre avec ces choses-là. C'est un film très émouvant, c'est un film à voir, et en tout cas moi je vais aller cet été à Garabandal. Et puis quel coin ? C'est juste en dessous, à une heure de trajet, de Santander. D'accord. Ça s'appelle San Sebastián de Garabandal, mais en réalité, c'est en droite ligne derrière Santander. D'accord. J'ai été voir La fille au bracelet. Alors, c'était très lourd. C'était très lourd, je rappelle le sujet, c'est une jeune fille qui est dans un box d'accusés au palais de justice, et elle a 18 ans, et elle est accusée d'avoir tué, il y a 2 ans, sa meilleure amie, la fille avec laquelle elle a passé toute son enfance. Et pourquoi l'aurait-elle tuée? Eh bien, il y a un mobile. C'est un peu cradingue. Un peu cradingue, mais c'est très à la mode, c'est pour ça qu'il faut en parler. Mmh. Cette jeune fille, pour des raisons qu'on n'arrive pas très bien à saisir, a fait une fellation au meilleur ami, au petit ami de sa meilleure amie. Et cet imbécile a filmé la scène et a mis cette scène sur Internet. Sur le réseau social. Sur le réseau dit social. C'est une amie de Griveaux ? Voilà, c'est en tout cas de la même famille. Absolument. Ce sont des cousins. Et je trouve que la même semaine, ça fait beaucoup, si vous voulez. C'est ce que nous nous sommes dit en famille. On s'est dit vraiment, faudrait changer de photos et d'imaginaire, parce que c'est tuant. Alors, ça soulève quand même, je me suis renseignée depuis, parce que pour moi tout ça est assez ahurissant, je me suis renseignée depuis, et il se trouve que les jeunes sont très habitués à ce genre de comportement aujourd'hui. J'ai entendu des statistiques, c'était effarant. Entre 15 et 25 ans, c'est la génération. Alors, on a quand même un problème d'exhibitionnisme. Jadis, quand on rencontrait un mec qui faisait ça dans les gares, on l'appelait exhibitionniste. Mais toute notre société est exhibitionniste à l'heure actuelle. Mais je continue, Frédéric. On parle de fou, et maintenant, c'est toute la société, toutes les jeunes d'une certaine époque, d'une certaine génération, qui deviennent fous. Et puis, il y a l'autre problème, parce que s'ils étaient exhibitionnistes, mais s'il n'y avait personne pour les regarder, ça ne serait pas grave. Mais il y a aussi les voyeuristes, les voyeurs. Et donc, la transmission qui est très facile. Et donc, on est là au degré zéro de la civilisation, un sens de l'ego terrifiant, que traduisent ces selfies, les gens qui se prennent en photo au lieu de devant une cathédrale, devant une façade, de chercher l'angle, la lumière, le reflet de l'ombre, tout. Non, qu'est-ce qu'on cherche? On recherche le reflet de Bibi dans la façade. C'est quand même... Alors je vais vous dire, c'est vrai que le selfie
parce que maintenant, c'est facile à faire. Mais oui. Avant, quand il y avait des appareils photo, moi qui voyageais beaucoup, je me souviens, quand je disais pyramide au Mexique, mais Bobonne, mets-toi là, Ernest, mets-toi là, c'était la photo, c'était l'excuse derrière. Moi, j'ai même rencontré pire. C'est sûr, j'ai rencontré pire. Je me souviens au Caire, un Américain que j'avais vu, qui était venu, parce qu'il faisait un voyage, il était dans le même hôtel que moi, à la piscine. Et tout d'un coup, il me dit, au bout de 2 jours, on avait sympathisé, il me dit, ah, il faut que j'aille voir les pyramides parce qu'il faut que je fasse des photos pour montrer à mes amis. Oui, vous vous rendez compte ? Oui, oui, non, c'est sûr. Non, c'est... Mais, photographier sa petite affaire, là, je pense que c'est le niveau zéro du développement. C'est le niveau zéro, oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ce niveau zéro permet de bâtir ce film, de voir les réactions de cette fille. Et puis, il y a une autre truc qui me choque beaucoup et qui est à mettre en rapport avec l'affaire Maznev. C'est on voit des parents qui ont beaucoup travaillé, chacun a sa profession libérale. Ils ont fait cette petite fille, ils ont un autre petit enfant d'ailleurs 5 ou 6 ans plus tard. Mais cette petite fille, elle est devenue complètement inconnue pour eux. Pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Parce qu'ils ne l'ont pas vu grandir, ils ne s'en sont pas occupés. À 5 heures, quand elle rentrait de classe, il n'y avait personne pour lui beurrer sa tartine. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'elle faisait ? Des conneries. Et elle les a accumulées. Mais c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit effectivement, non seulement Roche Dizem, qui est très bon, et Chiara Mastroianni, qui est bien, ils s'entendent pas trop entre eux. Oui. On sent que. Donc on sent que la famille, c'est pas vraiment une famille, et on voit qu'ils, non seulement ils ne s'en sont pas occupés, mais qu'ils ne savent pas qui est leur fille. Mais justement. Par contre, ils ont une très très belle maison, ça. Mais ils ne savent pas qui est leur fille. Et au fur et à mesure, ils se disent, mais serait-elle coupable ? Oui. Alors par contre, moi, ce que je n'ai pas aimé, surtout, c'est quand même, avec sa voix grave, qui est un assez beau rôle de l'avocate de cette fille, qui justifie absolument tous les errements sexuels. Il faut les laisser vivre leur absolument. Sexualité. Oui, parce qu'elle, elle est épanouissante, machin, etc. Épanouissante au maximum. Et la fin est très intéressante. Parce qu'on reste sur un point d'interrogation, il ne faut pas le dire. Je trouve que le sujet est original et c'est bien fait, c'est très bien joué. Absolument. Et on est pris quand même par cette atmosphère en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé véritablement ? Donc ce côté très désirable de la fille, ça permet de faire le scénario. C'est une photo de notre temps qui est plutôt en noir et blanc. Dirais-je. C'est une photo assez sinistre, oui, mais à mon avis très réaliste de notre temps. On est bien d'accord. Alors maintenant, nous sommes allés voir tous les deux Lettre à Franco. Alors, de Alejandro Amenábar. À vous. Non, à vous. Bon. Alors moi, si vous voulez, je suis tout ce qui touche la guerre d'Espagne, mais assez proche parce que j'ai lu les livres de Robert Brasillac et Maurice Bardèche, parce que j'ai beaucoup aimé l'Espagne, parce que je suis allée à la vallée de Los Caídos, j'ai connu des phalangistes, et que cette guerre civile, je l'ai étudiée de près, et que c'était la répétition, c'était le galop d'essai de la Seconde Guerre mondiale, l'affrontement entre le nazisme et le communisme. Alors, je suis un peu pointue sur le sujet, et ça n'a pas raté. Le sujet, c'est la dernière année et le désespoir d'un grand intellectuel espagnol, Miguel de Unanuemo. C'est ça, ce livre. Le drame d'un homme. C'est le drame de cet homme, de ce grand écrivain. Qui est parfaitement lucide, qui a été un libertaire au début de sa jeunesse, puisqu'il était basque ou catalan, je ne sais plus, et qui est devenu plus conservateur et qui a été effaré des crimes qui se sont effectués quand les Rouges étaient au pouvoir. Parce que on a un peu tendance à oublier en France que la République tue, et la République a tué des centaines de prêtres, même, des centaines de religieuses. Pour revenir un petit peu avant quand même, parce que quand il y a eu des élections où la gauche a été au pouvoir, bien avant encore, avant 1936, la gauche a été au pouvoir pendant 2 ou 3 ans, elle a fait un certain nombre de lois, ensuite la droite a repris le pouvoir, et a détruit un certain nombre de ces lois, ce qui est la logique en République, etc. Et à ce moment-là, il y a déjà eu une révolte dans les Asturies, avec les mineurs qui étaient tous soit anarchistes, soit communistes. Une révolte armée, qui a été... Donc déjà, il y avait des prémices de guerre civile, parce que la droite étant au pouvoir,
révolte armée dans les Asturies. Absolument, absolument. Alors cet homme est extrêmement conscient, voit que la civilisation chrétienne occidentale est en danger. Et c'est lui qui va donner les soubassements à Franco et à son équipe de ce combat, de cette croisade pour la défense de la civilisation chrétienne occidentale. C'est très important. Alors, très bien, le problème, c'est que le film est instrumentalisé, Miguel de Odadumo, pour dire que tout ce que faisait Franco est très vilain, et tout ce que... Donc, si vous voulez, c'est quand même insupportable. La première image, nous sommes à Melilla, et on n'a pas encore vu Franco, les officiers nazis sont là en disant « on va vous transporter en Espagne ». Il y avait aussi des avions espagnols, des avions italiens qui ont transporté ces troupes. Mmh. Non, mais on a choisi le mal absolu, oui, c'est-à-dire l'officier. Donc, dès la première image, on est dans le problème. Le reste est difficile aussi. C'est le personnage qui s'appelle Milan Astray, qui est le chef de la phalange. Et il a perdu dans les combats un œil, un bras. Non, c'est pas la phalange, c'est la légion. Non, la légion. Il est présenté dans le film, vous êtes d'accord, comme un guignol, comme un pantin, qui crie « Viva la muerte » en rigolant tout le temps. Moi, je me suis renseignée avant de faire l'article. J'ai lu beaucoup de bouquins. Non, mais je me suis renseignée avant de faire l'article sur mon blog annebrassier.fr et cette émission. J'ai téléphoné à Arnaud Imatz et à Philippe Conrad. Donc, si vous voulez, j'ai posé toutes ces questions à ces deux spécialistes. Milan Astray n'était pas un rigolo. Par ailleurs, comment vous dire, le problème est, si vous voulez, un grand écrivain ne peut pas être réduit à un camp. Je me suis toujours amusée quand je rencontre des gens qui aiment Peggy et qui me rabâchent avec une morgue méprisante totale. Peggy est un homme de gauche, donc allez vous faire voir avec Brasiliac et Pétain. Je suis désolée, Peggy est un homme beaucoup plus complet et Peggy ne se met pas dans un tiroir. Eh bien, Miguel de Unamuno, c'est pareil. Alors, quand vous voyez Le Monde et la Croix titré, l'écrivain qui a dit non à Franco et la Croix les intentions sont louables à l'heure de la résurgence des mouvements populistes. Oui, non, comme s'il si y avait un rapport entre les mouvements populistes. Mais on s'en fout de ce qu'il raconte Lacroix. Lacroix, on s'en oui, fout le réellement problème, ce qu'il raconte. Le moi, problème, c'est ce qu'est le film et c'est mon opinion sur le film. Oui, attendez, on ne va pas faire termine, ici la pub de Lacroix. Je termine oui, en disant, oui, mais c'est comme par hasard, le film plaît aux journaux gauchistes. C'est non, ça pas qui spécialement. Vous écoutez France Inter, j'ai entendu sur France Inter, ils auraient dû faire un film politique, c'est pas un film politique. Le Monde, c'est vrai, c'est vrai. Le Monde et la Croix sont quand même très contents. Mais dans un film, on tire ce qu'on veut. Et moi, je vais tirer tout l'inverse. Et si vous voulez, c'est... non, ce qu'il y a de plus grave, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gars, Sanchez, au pouvoir en Espagne, qui recommence la guerre d'Espagne, qui va fermer la vallée des Los Alcaidos, qui va déterrer film, tous les... Oui, mais je veux dire, c'est pas un sujet en l'air. On peut pas dire n'importe quoi sur la guerre civile d'Espagne. Voilà. Mais il ne dit pas n'importe quoi. Il ne dit absolument pas n'importe quoi sur la guerre civile. À vous. Il rappelle... Alors, donc, on rappelle quand même cette guerre civile donc, a démarré parce qu'il y a la République d'Azanar qui était là. D'ailleurs, Azanar qui, plus tard, s'est réfugié en France parce qu'il estimait que la République n'existait plus. Oui. Parce que la République, on a le droit d'être pour la République. Il y avait d'un côté, grosso modo, la République et en face, les monarchistes et la phalange. Par le fils du général Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, qui a été ensuite fusillé par les Rouges, après un simulacre de... Bon, enfin, tout ça, il faut le lire. Donc, à ce moment-là, vous arrivez à cet état où il y avait une espèce de... Exactement comme en Allemagne, entre les communistes et les nazis, vous aviez, à chaque fois qu'il y avait des meetings, vous aviez les phalangistes qui étaient là, vous aviez les communistes, ils se tiraient dessus. Et il y avait des morts à droite et à gauche. Donc, c'était un climat très... guerre civile, pré-insurrectionnelle. Jusqu'au moment où les Rouges, évidemment, ont commencé aussi à aller massacrer des prêtres, ont commencé à sortir de leurs tombes des religieuses, comme la magnifique Révolution française l'a fait pour nos rois, faisait brûler, incendier des couvents, etc. Enfin, ça a été absolument atroce. Donc là, c'était le début. C'est là
qu'il y a des gens comme José Antonio Primo de Rivera, qui lui était phalangiste, c'est-à-dire qui était intéressé par le fascisme, mmh. ou le national-socialisme, puisque lui était très, très socialiste aussi. Mmh. Bon. Et c'est là qu'effectivement, ils ont commencé à envoyer d'ailleurs des lettres, ils ont demandé deux fois à Franco s'il voulait venir sauver l'Espagne. Franco a dit non, parce que ça ne l'intéressait pas du tout, il n'était pas dans le coup. Et puis, il y a eu quand même ce fait qui a fait basculer, si vous vous en souvenez, c'est qu'un jour, à l'Assemblée nationale, au Cortés, vous aviez le monarchiste Calvo Sotelo, qui a dit voilà ce qui se passe depuis un an, voilà le nombre de prêtres assassinés, etc. etc. Et à ce moment-là, vous avez la passionnaria rouge Dolores Ibarruri, qui ensuite est parti 30 ans à Moscou se planquer, qui lui a dit « tu es un homme mort » en le montrant. Et quelques jours après, il était assassiné. Alors là, il y a des gens qui ont commencé à comprendre qu'on allait vers le régime communiste, anarchiste, etc. Bon, et c'est là que ça a été déclenché. Franco, c'est pas lui qui est arrivé dès le début, puisque c'est Sanjurjo qui était effectivement un général qui a traversé et qui voulait prendre qui voulait démarrer cette rébellion avec la junte de Burgos. Ça s'est bien présenté dans et le film. Sandro, ça c'est très bien fait et c'est vrai. La junte qui choisit l'un des leurs. C'est très bien fait. Et alors Sandro, malheureusement, quand il a atterri, il s'est cassé la gueule en avion, il est mort. Bon, alors ensuite il y avait cette junte. Et alors quand Franco est arrivé avec les troupes marocaines et les troupes de l'autre côté du Rif, quand il est arrivé. C'était un bon militaire, on le savait, comme ils disent, d'ailleurs c'est très intéressant quand ils disent, ah mais non, ceux qui sont contre, la jeune qui disent, non, il faut pas, là il faut pas lui donner le pouvoir, parce qu'on sait, quand il avait une colline, il était là, il s'accroche, il gardera le pouvoir jusqu'au bout, ce qui est le cas. Et par contre, il y a ceux qui disent, oui mais si on n'a pas un chef, on ne gagnera pas. On ne peut pas gagner avec une assemblée. Donc c'est là où on voit, et c'est très bien fait, comment ce basculement est fait et comment finalement il vote pour un chef qui est Franco. Mmh. Alors, le propre du film, ça c'est le contexte historique, c'est bien fait. D'ailleurs, Franco est pas mal parce qu'il a une certaine ressemblance avec sa petite moustache, etc. Un homme qui parlait peu, qui savait manovrer, qui... Enfin, j'ai lu pas mal de livres qui disaient, même de Jean Pour, qui disaient que c'était pas un génie, Franco, mais qui a su gagner. Et surtout, il a eu l'intelligence. Ça a peut-être coûté un peu cher parce qu'il voulait aller à Madrid en se disant si Madrid tombe, c'est-à-dire si on bat les rouges à Madrid, on a gagné. Il s'est arrêté à l'Alcazar de Tolède. Et c'est là que c'est bien fait aussi parce qu'on montre les archives anglaises de l'Alcazar de Tolède, la lutte extraordinaire de l'Alcazar puisque Tolède était aux mains des rouges. Et il y avait le général Moscardo qui était à la tête de l'Alcazar, dont le fils a été fait prisonnier, et les Rouges ont fait le chantage, et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et ils ont mis le fils au téléphone, et ils ont dit à son père, voilà, ton fils il est là, ou tu te rends, tu rends l'Alcazar, tu ouvres les portes, ou alors on tue ton fils. Et là, il y a eu cette fameuse... parole entre le père et le fils, et le père qui lui a dit tu mourras en héros, etc. etc. Il n'est pas question, je rends l'Alcazar. Il a dit adieu à son fils, il a dit vive Dieu, vive l'Espagne, etc. Et son fils a été fusillé. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui avait marqué quand même à l'époque, sauf les Rouges, évidemment, ça ne risquait pas de les marquer. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est montré dans le film, et c'est quand même la bataille de l'Alcazar de Tolède est quand même quelque chose d'héroïque qui a été reconnu dans le monde entier. Et Franco, à un moment, s'est dit, il faut que j'y aille quand même. Et c'est là qu'il a eu cette gloire et que tout le monde s'est dit, c'est notre caudillo, parce qu'effectivement, le fait qu'il ait délivré l'Alcazar de Tolède, ça lui a donné une aura qu'il n'avait peut-être pas. Oui, oui. Et ensuite, donc, la guerre civile qu'on sait, etc. Mais tout ça, c'est le contexte, parce que ce qui est très intéressant, c'est quand même Miguel de Unamuno, qui ne reconnaît pas cette république, qui est pour le soulèvement, mais qui dit, parce qu'il faut mettre de l'ordre. Mais de l'ordre, effectivement, mais il y avait les monarchistes, il n'est pas contre les monarchistes, sûrement pas. Mais qui est désespéré que les crimes continuent. Qui n'est pas fasciste. Bien sûr. Et que les crimes, parce que les crimes, il y en a eu dans tous les camps. Bien et effectivement, on s'aperçoit, et ça c'est vrai, Salamanque, parce que c'était l'endroit où il y avait Franco. Alors une grande partie du film est à Salamanque. Et c'est joli. Quelle belle ville. Parce que Salamanque, c'est magnifique. Vous voyez, ces ocres, c'est doré, c'est la ville, les plans sont très beaux. Alors ce que j'ai pas aimé dans le film, c'est deux, trois fois, quand il repense à sa jeunesse, avec quand il est là dans les bras de sa dulcinée. Une fois ça va, deux, trois fois, là c'est un petit peu, bon, limite. Et c'est le drame d'Unamuno, parce qu'effectivement, il a des amis qui pensent pas comme lui. Il a aussi le maire socialiste qui est massacré.
parce qu'en fait, la guerre civile, c'est atroce, et ça a massacré, des deux côtés. Alors, et lui, il a fait exactement un petit peu, il s'est mis vraiment en retrait, parce qu'il a été viré de la faculté. Parce qu'il était le doyen de la faculté par les Rouges. Ensuite, quand il était pour le soulèvement, on l'a remis. Et puis ensuite, quand il a pris un peu ses distances, avec cette fameuse phrase « Vous vaincrez, mais vous ne convaincrez pas oui. », à ce moment-là, il a été reçu et il est mort quelques mois après d'une crise cardiaque. Et Unamuno, ça me fait penser aussi à Bernanos, qui avait fait aussi la guerre d'Espagne, et son livre qui s'appelle, je crois, si mes souvenirs sont bons, « À l'ombre des grandes têtes molles oui. », et qui était pour le soulèvement et qui était revenu en disant « Je ne peux pas supporter les crimes que font les franquistes et les crimes communistes aussi, parce que dans les guerres civiles, il y en a eu de deux côtés. Quand vous avez quelqu'un comme Marty, le communiste, qui était surnommé le boucher d'Albacete, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et je trouve que le film est intéressant. Il y a aussi toute une réflexion. Unamuno est bien joué. Il y a une réflexion sur l'intellectuel, la trahison de l'intellectuel. L'intellectuel. Ça, c'est très important. Mais ce que je voudrais terminer sur cette citation de Unamuno, qui n'est pas dans le film, mais qu'on m'a donnée et que je trouve bien belle. Parce qu'elle explique, elle éclaire un peu cette guerre civile. Il y a deux sortes d'Espagnols qui, en les regardant bien, forment un seul groupe. Il y a les croyants, le catholique, qui est plus ou moins un païen, adorant les images, la Vierge et les saints, et les autres, les désespérés, ceux qui tuent, ceux qui n'ont pas été capables de leur enseigner la foi. C'est extraordinaire. Oui, c'est une belle phrase, mais c'est vrai que c'était au début, parce qu'après, il s'est rendu compte que même du côté de ceux qui se réclamaient de la chrétienté, il y avait une violence terrible. Oui, mais la croisade, on n'y va jamais avec les fleurs au fusil. Hein, la croisade, c'est on n'est pas obligé de massacrer quelqu'un parce qu'il pense différemment. Si vous ne massacrez pas, la guerre, c'est. À Salamanque, non. Le maire de Salamanque, on aurait pu le mettre en prison. Moi, si vous voulez, ça fait 50 ans que j'entends de la propagande anti-franco, je ne la supporte plus. Mais c'est pas de la propagande anti-franco. Les républicains, là, sont en train de virer la congrégation des bénédictins de la vallée des Los Caídos. Ils ont déterré Franco. Ils vont déterrer tous les civils. Donc, si vous voulez, et dernière chose, ils sont en train de faire l'analyse des biens de l'Église pour encore les spolier. Donc, si vous voulez, les choses recommencent. Rien ne change. Mais le régime socialiste, on peut être con. Ici, rien ne change. Non, mais ça n'est pas une tribune politique qu'on fait ici, c'est une analyse du cinéma. Le film est tendancieux et à ce titre-là. Pour moi, il n'est pas tendancieux. Il n'est pas tendancieux. Parce que pour vous, tendancieux, c'est quand. J'ai une sensibilité politique à fleur de peau. La propagande, je la sens. Mais c'est pas de la propagande. Absolument pas, parce que Unamuno parle aussi des crimes des républicains. C'est intéressant. Il parle des crimes. Alors laissez-moi justement le dire, parce que Unamuno parle effectivement aussi des crimes des républicains. Simplement, il ne peut pas supporter les crimes du camp qu'il avait adopté. Oui, alors, point final, comme Bernanos. Oui, exactement. Non, comme le point n'est pas final, parce que je dois vous dire que les phalangistes ont porté sur leurs épaules le cercueil de Unamuno, alors que dans le film, on montre phalangistes qui veulent flinguer l'écrivain. La réalité, c'est que les phalangistes ont porté en terre. Ils ont porté en terre aussi. Et d'un autre côté, ils ont massacré aussi Garcia Lorca. La réalité, quand vous faites un film d'histoire, vous êtes obligé de montrer la réalité. La réalité. On ne peut pas montrer l'enterrement d'Unamuno. Le film s'arrête avant. Bien sûr, mais je rectifie la dernière. Image qui est cette volonté de meurtre des phalangistes à l'égard de Unamuno. C'est ça que je veux dire. C'est un bon débat. C'est ce que montrent les dernières images. Il n'y a pas une volonté de meurtre. Ils sortent leurs flingues. Non, c'est pas volonté de meurtre. Il y en a qui veulent faire des pressions. Il n'y a jamais eu de volonté de meurtre sur Unamuno. En tout cas, allez voir ce film et envoyez-nous vos commentaires. Tout simplement. Alors, sur le plan de la forme, les images sont belles. Les images sont très belles. Mais je dis, c'est deux, trois petits retours dans le passé, un petit peu de voix off qui ne sont pas terribles. Mais toutes les assemblées, c'est très bien fait. Les dialogues sont bien faits. En tout cas, merci Frédéric. Donc, nous avons évoqué le cas. J'arrive jamais à me souvenir de son nom. Le cas de monsieur Richard Jewell. Richard Jewell, Garabandal, la fille au bracelet et lettre à Franco.
La fille au bracelet, ça fait déjà un petit moment, je pense qu'il se joue encore. Oui, il se joue encore, je l'ai vu la semaine dernière. Mais puis on n'est pas obligé d'aller voir les films dès qu'ils sont en salle, en se pressant. On va les voir. Non, mais quand ils jouent encore, parce que ça tourne tellement rapidement. Ça tourne vite. Alors, il y en a un, en tout cas, à ne pas les voir. Et celui-là, il tourne rapidement, j'espère. C'est Le Lion. Oui. Et je suis très content que ce film se casse la figure avec Danny Boone et puis l'autre guignol de Philippe Catherine. Là, j'avais vu 3 ou 4 fois la bande-annonce, c'était à pleurer. Et heureusement, ça ne marche pas. Bon. Eh bien, merci Frédéric et à très bientôt. Au revoir, chers amis de TV Liberté. Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique livre, nous avons invité un écrivain qui va vous ravir, Philippe Collin-Olivier. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous écrivez des livres extrêmement drôles, en tout cas un livre, parce que je dois avouer très honnêtement que je n'ai pas encore lu les autres, mais je vais m'y mettre. Il est temps, madame. Qui a tué le maire de Paris ? C'est publié chez Pierre-Guillaume de Roux. C'est un bon gage, parce que Pierre-Guillaume de Roux édite de très belles plumes. C'est un homme qui aime la littérature. Il aime la littérature. Plus que le marketing, effectivement. Il aime la littérature. Alors, vous en êtes à tout de même un certain nombre d'ouvrages. Est-ce que les autres sont de ce type, à suspense, au bord du roman policier? Oui. Aux confins de... Mais le roman policier est très vague. Hein. Il y a le roman noir, il y a le roman policier traditionnel, il y a le thriller, comme on dit. C'est très très vague. C'est très vague, oui. Moi j'ai essayé de, oui, d'apporter de l'humour d'abord dans le roman policier, c'est très rare. Je ne me mets pas en valeur en disant ça, mais c'est rare. Oui. Les gens qui écrivent noir sont noirs, hein, en général, et sont noirs d'esprit. Oui. D'ailleurs, c'est le plus haut pourcentage de suicides aux États-Unis, les écrivains de romans noirs. C'est vrai. C'est pour ça que j'écris en français, d'ailleurs, je veux survivre. Oui. Ce sont les gens très tristes, alcooliques, éthyliques. Oui. Moi, je reste au Perrier. Mais c'est très curieux, parce que c'est tout. On n'écrit pas alors que innocemment. Alors que vos personnages carburent au whisky. Ah oui, oui, ça. C'est évident. Et à la cam, un peu de temps en temps, pour les mieux lotis, oui. Et à la cam, bien sûr. Bien sûr. L'un de nos hommes politiques était surnommé Trottinette Cannabis. Et il y avait aussi une princesse, Stéphanie de Monacoque. Oui. C'était pas gentil quand même. C'était très méchant. Alors, votre thème est extrêmement drôle. Donc, le maire de Paris a été tué. Il y a une enquête. Le maire. Oui, oui, bien sûr. Non, tout rapprochement avec une situation contemporaine est absolument non recommandable. À moins que la maire ou le maire de Paris actuel soit transsexuel, on ne peut pas le croire. Donc, le maire de Paris est tué et un certain nombre de personnages que vous campez avec un humour décapant seraient susceptibles d'être l'assassin parce qu'ils avaient prévu de... Beaucoup de gens, oui. beaucoup de gens. Alors, ce livre a un effet catharsique parce qu'en fait, à un moment donné ou un autre, on a tous envie de flinguer son maire. Sauf moi. Sauf qui vous, suis très trouillard. Qui êtes un ange, c'est visible. Est-ce que vous savez que il y a quelques années, aux ateliers Faut le faire, un homme qui a beaucoup d'humour aussi, qui est invité à ce micro quelquefois, Pierre Lours, a écrit un livre qui s'appelle La révolte des silencieux. Et cette... le sujet se rapproche du vôtre, bien sûr. C'est un groupe de gens modestes de province qui décident que ça ne peut plus durer et qu'il faut arrêter les nuisibles afin qu'ils cessent de nuire et qui prévoit une dizaine d'assassinats bien ciblés dans les hautes sphères de la politique. Et comme les 10 petits nègres, ça tombe. Et alors au 5e, la classe politique se panique et ils ne sortent mais plus. Mais ils paniquent déjà. Ils n'ont pas lu le livre que vous évoquez, mais ils paniquent déjà très probablement, parce qu'il y a quand même eu des assassinats politiques importants. Hein. Et c'est le Ravaillac était un type simple. Hein. Il a pris un couteau de cuisine pour liquider Henri IV. Charlotte Corday aussi. Charlotte Corday, Oswald, qui passe pour avoir assassiné Kennedy. Eh bien aussi, c'est un type très pauvre, il n'est pas dessous. Ce n'est pas le grand patronat qui fait ça.
Non. Il préfère acheter les hommes politiques plutôt que les abattre. Il tue autrement. Oui, par le burn-out. Qui n'est pas une marque de revolver. Hein. Alors, nous sommes à Paris tout de même, et vos personnages sont extrêmement sympathiques et extrêmement. Et on comprend fort bien leurs raisons. Il y a évidemment le commerçant dont les clients ne peuvent plus accéder à sa boutique. On ne peut pas livrer. On ne peut plus pas livrer. C'est une réalité, oui. Ça, bon. Il y a aussi, et là ça devient très poétique, il y a aussi ce veuf dont la bien-aimée a été tuée parce qu'elle roulait en bicyclette. Oui, elle avait la chier. Mairie nous cache le nombre d'accidents qu'il peut y avoir en bicyclette. Bon, sûrement, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Mais madame le maire de Paris, j'ai rien contre elle, je l'ai croisée l'autre jour en automobile, j'étais bien sûr à pied, elle était dans une énorme bagnole avec un chauffeur. Non, c'est vrai, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Non, bien sûr. Ça, c'est ça, la police, c'est le béaba de la politique. Hein. Alors, il y a aussi, et ça j'ai beaucoup aimé, l'amoureux des cerfs d'Auteuil, qui n'a pas supporté le mastodonte qui a été créé pour 15 jours. 15 jours de matchs de tennis. De professionnels qui gagnent des fortunes. Et qui viennent simplement. Oui, c'est, ils sont à l'arrêt. Hein. Je passe souvent, je vais en Roland-Garros, il n'y a personne, personne ne joue, très peu de gens pendant le reste de l'année. C'est une escroquerie, effectivement. On coupait des centaines d'arbres, des très beaux arbres. Mais en disant en même temps, nous sommes verts et on protège l'environnement, on veut faire des forêts, on veut construire des forêts dans Paris. Oui, des forêts. Oui, oui, oui. Des forêts, à la place de la gare du Nord. Éventuellement, mais des forêts de bobos, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des limaces et quelques escargots, mais il n'y aura pas de renards, n'ayez pas peur, on ne vous mordira pas. On vous mordra pas de loup. Ah ben surtout pas de loup. On aime la nature jusqu'à une certaine... Pourtant, les loups sont entrés dans la ville. Oui, il n'y en a pas beaucoup, hélas. Il y en a un certain nombre dans le monde politique, mais sinon en liberté, avec des grosses quenottes, il n'y en a pas beaucoup. Non, il y en a avec des toutes petites cervelles. Mais expliquez-nous, les cerfs d'Auteuil, je passe souvent devant, mais je n'ai pas été investiguer l'ampleur des dégâts, parce que je trouve ça tellement triste. Mais ils ont... Toutes les cellules. Non, ils n'ont pas tout. Non, pas une partie, tout, c'est une partie. Oui, une partie, bien sûr. Vous ne pouvez pas tout faire. Mais il y a eu une pétition énorme, je crois. Oui, oui, ah oui, il y a eu. Mais les pétitions, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On les déchire. C'est pour vendre des stylos à billes. On les déchire. On signe. Basta. C'est ce qu'on appelle la démocratie. On les déchire tout à fait tranquillement. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et puis, il y a aussi cet homme qui finalement, est très fréquent dans les milieux politiques, c'est le nègre. C'est celui... Qu'on appelle maintenant un coach d'écriture. Ah oui, ça c'est très français. C'est très français, d'autant que le mot coach vient de cocher. Ah oui. Mais on n'ose plus dire un nègre, bon très bien, c'était Alexandre Dumas, vous vous souvenez de l'histoire. Bien sûr. Mais effectivement, lui, il est très... Mais j'ai rencontré quelques types qui écrivaient pour des hommes politiques, il n'y a rien de plus frustrant, parce que l'homme politique fait le glorieux. Il fait le bel homme. On dit, c'est très bien exprimé, il a précisé ceci, c'est pas lui du tout, évidemment. C'est comme les ouvrages écrits par les hommes politiques, ils n'écrivent rien du tout. Ouais. Alors, c'est en effet ce qui sort de votre livre, c'est l'ego surdimensionné de ces gens-là. Parce que on parle d'un homme qui est maire de Paris, mais c'est un personnage. Moi, j'ai été inspiré, je l'ai dit, par Chirac et par Jacques Lang, qui sont des grands seigneurs de la démagogie, qui vivent comme des princes, et qui vous disent, il faut serrer la ceinture. Ça, c'était Raymond Barre, vous vous souvenez? Raymond Barre, il faut serrer la ceinture. On a découvert après qu'il avait un compte en Suisse. Alors, ça donne quand même une idée de l'infini, cet ego. Il y a une finitude sur le plan intellectuel, en tout cas chez eux. Mais oui, ça peut donner. C'est impossible à mesurer, hein, c'est extravagant. Mais ce sont des très grands malades, en réalité, les malheureux. On doit les prendre comme ça. Oui. Ce sont des très grands malades. Ce sont des grands malades, oui. C'est ça qu'il faut dire. Jusqu'à De Gaulle, d'ailleurs, qui disait « Je suis la France hein. ». Oui. Mais il était à la hauteur de la maladie, lui. Et ça, c'est sûr. Alors, ce sont des grands malades, et quelquefois, ils accentuent cette maladie par la drogue ou l'alcool. Pas quelquefois. Il y a énormément d'éthyliques. Oui, alors on a parlé de Jacques Chirac, il y a un truand, vous vous souvenez de ça, qui a dit qu'il était le fournisseur de Chirac, je ne suis pas allé voir. Oui. Mais on se demande comment ils tiennent. Ce n'est pas possible de tenir simplement avec un lait grenadine. Hein. C'est impossible. Oui, ils se droguent, ils boivent beaucoup, bon, alors, peu importe. Ce qui fait aussi le charme de votre livre, c'est le bonheur que vous avez d'écriture. Vous avez des expressions absolument drôlissimes. Quand le bobard passe, la révolte trépasse. Ben oui.
Avec donc, le gilet gouverne, jaune, ça a été ça. On gouverne à coups de bobards. On raconte, oui, oui, justice sociale, etc., etc. Ça marche à chaque fois. Vous vous souvenez, François Mitterrand, une rose à la main, hein, pour faire oublier qu'il avait été pétainiste. Alors, vous avez une autre aussi effrayante, effrayante devise. Étaler sa puissance est la marque d'un État impotent. Mmh. Plus il y a de gendarmes et de flics dans les rues, plus l'État est impotent, sinon il n'est pas nécessaire. C'est évident. C'est vrai qu'en en système monarchique, il y a très peu de police. Mais oui, ça me fait penser, ce que vous évoquez, le nombre de policiers, le culturisme, c'est exactement ça. Ce sont des culturistes, nos hommes, Macron par exemple. C'est-à-dire que c'est des gens qui montrent leurs biceps, leurs triceps et leurs grands deltoïdes, mais qui ne sont ni champions de judo, ni boxeurs, ni catcheurs, ni rien. Mais c'est simplement de la gonflette. Sarkozy était un des champions, et bien d'autres. Et par opposition, hein, Poutine qui est, lui, un champion lui de judo. Mais lui, sort l'ENA, il sort du KGB, c'est une meilleure école. Hein. Non, mais il est aussi champion de judo. Mais lui, il a gonflé aussi. Et mais lui, il est capable de... on dit très peu. On dit beaucoup moins que les nôtres. Alors, cette délicieuse expression aussi, à propos d'une petite guape. En prison, il a rencontré Allah, il a raison, autant se faire des relations à ben haut oui. niveau. Ben oui. Vous n'allez pas vous convertir au christianisme en prison, hein, vous allez vous faire matraquer. Alors, vous avez quand même, oui, puis je ne vais pas me retenir de montrer cette expression qui est totalement d'actualité pour un type qui est sans arrêt en train de, avec des envies sexuelles très prononcées, vous parlez de son pénis jamais démilitarisé. Alors ça, la semaine de Benjamin Griveaux, c'était quand même un plaisir de rire sur cette expression. Oui, lui et surtout, il s'est lancé dans le cinématographe, il a eu tort. Il a eu tort, oui, parce que seuls les acteurs le peuvent. Enfin, il y a tout de même un problème dans notre société d'exhibitionnisme et de voyeurisme. Parce que c'est les deux marques d'une même médaille, en fait. Il y a des gens qui s'exhibent et d'autres qui regardent. Il y a aussi ceux qui s'exhibent et qui se regardent. C'était le cas de Griveaux. Et puis les deux. Il avait toutes les qualités pour être un homme d'État. C'est dommage qu'on l'ait conduit de cette manière. Oui, absolument. L'ensemble donne quand même une impression de grand mépris pour cette pauvre humanité. Vous écrivez « Navallo pensait que la nature humaine était la somme du singe et du perroquet ». Mais j'explique pourquoi. Oui. Mais c'est vrai, les gens racontent, nous tous, nous racontons ce qu'on a entendu, on raconte toujours la même chose, ce qu'on a lu, entendu, les idées personnelles, c'est très très rare. Donc on est tous des perroquets comme des singes, oui, on singe quelqu'un. On essaie, c'est vrai, de s'identifier à quelqu'un. Donc nous sommes de pauvres bestioles, regardez-moi d'ailleurs. En tout cas, vous régalez quand vous écrivez ça, non? Non, ce serait valeur du narcissisme. Non, pas du tout, mais c'est mon style, j'ai toujours été railleur, on me foutait à la porte de l'école parce que je me moquais de mes copains, de moi-même, des professeurs. Ça a commencé très tôt. Même avant ma naissance, je crois qu'en tant que fœtus, déjà, j'étais extrêmement caustique. Ma mère en a beaucoup souffert. Non, c'est vrai, c'est une donnée, ça, de la nature. Hein. On est doué pour le football ou bien on est doué pour le ricanement. Moi, on disait le ricaneur au fond de la classe, etc. C'est-à-dire que c'est pas seulement celui qui ricane, c'est celui qui voit derrière. C'est ça qui est intéressant. C'est, oui, moi, ça a toujours été, oui, c'est la coulisse m'intéresse. La coulisse, oui. Quand j'entre quelque part, je me suis dit, mais qui gagne de l'argent là-dedans, hein? Qui est le malin qui est derrière? Quoi qu'il arrive, au cimetière, c'est la même chose. Hein? Dans les salons de jeu, c'est la même chose. Et vous allez dans un lieu de culte, je ne dirai pas lesquels, vous dites, mais qui gagne de l'argent là-dedans? Vous écrivez à la Céline, nos dirigeants, ils pantouflent dans le mensonge. Oui, c'est un métier, hein, c'est un métier. Ben oui, c'est pas dans les bottes, hein, c'est pas des grands cavaliers, on peut pas dire qu'il est Murat au pouvoir, vous êtes d'accord? Non, c'est des petits mecs, ce sont des tout petits mecs. Ce sont des tout petits mecs. Oui. Et c'était amusant, c'est d'ailleurs. C'est-à-dire que le système ne suscite pas le grand homme. Les grands hommes, ils surgissent du drame. Oui. Hein? De Gaulle ou Napoléon, ils viennent de. S'ils sont des grands hommes, ils le sont, je pense. Ils viennent du drame. Mao Tse-tung, Staline, Hitler sont des grands salauds, mais ils viennent du drame. Ils sont pas. Et ils ne peuvent pas venir d'une grande école, c'est pas possible. La démocratie suscite, c'est vrai, le mollasson d'élite. Mais vraiment. Le mollasson d'élite. Oui. En tout cas.
Philippe Collin, Olivier, alors après celui-là, après ce livre, Qui a tué le maire de Paris, lequel de vos livres aimez-vous le mieux ? Pour aucun, je ne relis jamais mes livres. Je lis ça pour me débarrasser de quelque chose, mais je ne relis jamais. Ah oui, vous vous débarrassez de quelque chose qui vous, vous pèse ? Plutôt, bah, oui, plutôt que d'aller chez le psychanalyste, je préfère écrire un bouquin, plutôt de me camer, moi qui n'ai pas de santé. Oui, je préfère écrire, c'est vrai, ou me donner à des escort girls qui sont ruineuses, madame, cette année. Je préfère écrire, oui. Ah oui, le primonte. J'ai les tarifs sur moi, je peux vous le dire. Le primonte, oui, oui. Non, j'aime bien, je ne sais pas, celui que j'ai écrit sur le Festival de Cannes, qui ne s'appelle pas Festival de Cannes d'ailleurs, mais qui s'appelle La. J'aime bien. Non, celui que j'ai préféré peut-être, c'est un livre qui s'appelle L'Approche. Oui. Je vous donne les. Parce qu'il est tout à fait d'actualité. Je l'ai écrit trop tôt. Et je l'ai écrit avant le grand Houellebecq et j'ai eu tort. C'est l'histoire d'un beurre brillant qui sort d'une très grande école, oui, et qui se dit je vais fédérer le vote musulman en France, oui, et je serai majoritaire. Si je penche à gauche, si je pense à droite. Mm. Et évidemment, il va lui arriver quelques malheurs. Mais c'est tout à fait ce qui va arriver. Hein. Oui. Oui. Vous êtes. Non, je ne suis pas. Je suis pas pitiche pour un son, mais c'est une question de bon sens. Non, vous n'êtes pas une pitié, mais vous voyez bien les choses. Et la bonne vue est assez peu répandue, en fait. Ah bon, on fait tout. Beaucoup de gens voient avec des lunettes. Oui, qui ne sont pas faites pour leurs yeux, en teintées. Plus. Oui, c'est celle du voisin. Mais oui, mais c'est pour ça. On veut faire de nous des myopes. Se regarder le nombril, le voix de traviole d'ailleurs, et rien d'autre. Mmh. C'est vrai qu'on exalte le moi-je, au fond, moi-je. Ah oui, on est en période d'égocentrisme, de selfie, enfin c'est... Moi-je, il y avait un roman qui avait été écrit par un journaliste de Nouvelle Obs à l'époque, qui s'appelait Moi, je cherche son nom. Mais c'était tout à fait ça, c'est la société du moi-je, la société occidentale. On est en moi-je. Mmh. Alors que la société orientale, c'est beaucoup moins ça, ça le devient. Mais c'est moi, je cherche mon Dieu, je cherche mon bonheur, je m'accomplis, ma sexualité, mon point G. Moi, je cherche toujours. Mais vraiment. Alors, nous souhaitons que vous le trouviez. Mais je ne voudrais pas le trouver tout de suite. Je suis encore trop jeune. Sauf que je croyais que c'était uniquement les femmes qui avaient un point G. Oh, madame, non. Je vous en prie, un peu d'égalité. Hein. Pourquoi les femmes auraient le point G? Chers amis de TV Liberté, vous aurez compris que ce livre donne beaucoup de joie et nous venge, je trouve, de pas mal d'insanités que nous subissons. Et la vengeance est un plat qui se mange chaud et froid. Donc je vous conseille Qui a tué le maire de Paris chez Pierre-Guillaume de Roux. Merci monsieur. Vous avez bien sûr un autre manuscrit sur l'établi. Je ne sais pas qui je vais tuer bientôt. J'hésite. Bon, écoutez, vous nous prévenez. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir ce matin M. l'abbé Olagnier. Bonjour M. l'abbé. Chère madame. Pour une aventure extraordinaire, pour une entreprise, j'ai envie de dire, médiévale, M. l'abbé, avec une énergie absolument étonnante, vous venez d'acquérir un ancien couvent, le couvent Saint-Paul, près de Périgueux, au lieu dit Thiviers. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce couvent qui était abandonné après avoir été, je crois, un orphelinat, un couvent d'abord, un orphelinat. Donc ce que je veux faire de ce couvent, c'est une maison de retraite, ou comme le dit, une retraite spirituelle, ou comme le dit Benoît XVI, une oasis de chrétienté. Je veux recevoir des séminaries, je voudrais recevoir bien sûr des retraitants pour faire des exercices de Saint-Ignace, j'aimerais recevoir des familles qui voudraient se reposer, j'aimerais recevoir également ce qu'on appelle des séminaires d'été, des séminaires intellectuels, parce que la maison est très très grande. Combien de chambres ? Disons, il y a au moins 35 chambres, j'ai acheté 35 lits.
35 lits, 35 tables, 35 armoires, 35 chaises. Et donc, mais on peut en mettre davantage, parce que les chambres sont très grandes, et je peux mettre largement 2 à 3 lits par chambre. Donc, c'est une maison de capacité de, je pense, une centaine de personnes. Il y a des réfectoires, et il y a 2 réfectoires, il y a des salles de classe. Enfin, quand j'ai visité ce bâtiment, il m'a touché le cœur, d'abord parce que le couvent Saint-Paul, c'est quand même... Bien sûr, c'est pas rien. C'est pas rien. Et puis le bâtiment est très beau. C'est tout de pierre. Il est du 19e, 1872, je crois. Et il a servi, il a été construit par une demoiselle, mademoiselle Faure, qui était très riche et qui a su mettre sa richesse au profit de l'Église. Et ce bâtiment a été donc confié à des religieuses qui ont fait une école primaire, une école. Ensuite, avec la séparation de l'Église et d'État, elles ont dû quitter le bâtiment. Ça a été réquisitionné par l'armée qui en a fait un hôpital pour les poilus de 14 qui venaient redescendre et se faire soigner. Il y a quand même 27 militaires qui ont trouvé la mort dans cet hôtel. Et qui sont enterrés dans le cimetière local. Nous avons, le 11 novembre, nous avons prié pour le repos de leur âme. Donc ce bâtiment me paraît très très bien, très fonctionnel, très agréable, mais il faut tout faire. Il était à l'abandon depuis une quinzaine d'années. Il était à l'abandon. Il a été pillé, squatté. L'église, la chapelle qui est magnifique, on peut mettre 150 à 200 personnes. L'église a été brûlée, même les stalles ont été brûlées. Il a fallu repeindre tout du haut en bas. C'est une jolie chapelle parce qu'elle a derrière elle un balcon en bois, oui, très joli. C'est ça, tout à fait. Il y a un orgue encore. J'ai pas d'orgue, mais une de mes sœurs m'a donné un orgue. Bon. Alors je suis allé le chercher. Elle habite dans la région de Toulouse et donc maintenant nous avons un très bel orgue, sorte qu'on a pu donner déjà un concert avec 2 artistes Et puis pour animer vos messes. Et puis pour animer les. Oui, donc messes, c'est un vrai orgue. Alors, c'est un orgue électronique, mais qui a une très bonne sonorité et qui est très bon. Il y a des jeux, n'est-ce pas? Enfin non, c'est très bien. Et donc nous sommes en train de restaurer ce bâtiment. Nous avons restauré avec déjà les forces des bénévoles qui vous entourent. Oui, parmi lesquels j'ai beaucoup d'amis. Oui, effectivement. Et qui me soutiennent pour entreprendre ces travaux. J'allais dire, quand j'y réfléchis un tout petit peu, il me dit, mais c'est fou, à ton âge, car je prends de l'âge. Et te lancer dans une telle opération, c'est un peu de la folie. Alors, oui, c'est à cette folie que je voudrais en venir. J'ai envie de vous présenter aux téléspectateurs qui, chrétiens ou pas, ne vous connaissent peut-être pas. Vous êtes un ancien de la Fraternité Saint-Pédis. Vous êtes parti à l'Institut du Bon Pasteur et vous avez dirigé le séminaire de Courtalain, Bon Pasteur, et vous êtes, si je puis dire, maintenant en retraite, bien qu'un prêtre ne soit jamais en retraite, et vous avez décidé d'utiliser cette retraite, justement, par une nouvelle œuvre, l'œuvre Saint-Paul. Moi, ce qui me sidère, c'est, et ce que j'admire, c'est pour ça que vous êtes ici, c'est qu'à l'heure où tant d'hommes d'église vendent, vous achetez. Ouais. certains hommes d'église ont les poches vides, visiblement, ils sont complètement à sec, et vous trouvez les moyens pour acheter cette œuvre, alors qui évidemment c'est pas un hôtel avenue Foch, les tarifs oui, ne sont pas sûr. Les mêmes, mais enfin il faut quand même sortir. Oui, il faut trouver les cette sous. Somme, oui, et vous l'avez trouvée. Ben disons, la Providence, il faut se confier là, à Saint-Joseph. Je dois dire que je n'ai pas de difficultés majeures. Il a fallu restaurer tout le chauffage central.
n'est-ce pas ? Oui, je le sais. C'est vos pas, bénévoles c'est pas rien. Ont eu froid. 68 000 euros, il a fallu trouver. Il a fallu restaurer, je suis en train de restaurer des chambres. On a à peu près une quinzaine de chambres maintenant disponibles. Tout ça, ça représente des frais importants. Et bien, ça veut dire qu'il y a encore des donateurs. Oui, il y a des gens qui sont sensibles. Le bâtiment plaît. Et quand les gens voient ce bâtiment, ils disent ben, « on ne peut pas laisser un patrimoine de ce style à l'abandon ». Et je peux pas, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ce bâtiment était apprécié, aimé des gens du village. Oui. Là, on a fait une journée patrimoine au mois de novembre. Eh bien, on a eu plus de 500 personnes, d'anciennes élèves, qui sont venues voir, car le bâtiment était fermé, elles ne pouvaient plus le visiter, et ils étaient enchantés de retrouver ce bâtiment. Même on a eu une quinzaine de dames qui ont voulu venir coucher la nuit pour se souvenir, pour retrouver leur atmosphère d'enfant. Alors, vous continuez tout de même à attendre les dons. Tout n'est pas payé. Ah oui, non, loin de là, c'est sûr. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? Comment on s'y prend ? D'abord, il faut avoir le feu au cœur, enfin le feu au ventre. Bien sûr. C'est-à-dire, il faut y croire. Il faut y croire. C'est le cas en général de nos téléspectateurs. Ce sont des hommes de foi. C'est ça. Et alors, ils sont sensibles au bâtiment et les gens donnent. Mais il faut bien se voir que ce sont des petits dons que je reçois. Mais il y a une multiplicité de petits dons. Et la multiplicité, 20 euros, oui. 50 euros. Et c'est cette multiplicité de dons qui me permet. J'ai dû investir déjà, je crois, quelque chose comme 200 000 euros. Bon, je n'ai pas acheté cher la propriété. Oui. Comme le disait le notaire, Maître Lebrun, peu importe, de Périgueux, il m'a dit, vous aurez cette propriété pour un petit prix. Effectivement, j'ai eu cette propriété pour un petit prix. Mais, évidemment, il n'avait pas vu les charges importantes qu'il fallait pour la restauration du bâtiment. Mais j'y arriverai. Je suis sûr. Ah non, mais on vous fait confiance. Et j'avouerai qu'on n'a aucun doute, monsieur Labbé. C'est gentil, madame. Merci beaucoup. Alors, ce qui est d'étonnant, c'est que trouver cet endroit magique qui... encore que je crois qu'il y en a malheureusement beaucoup. Il y a des abbayes qui sont à vendre. Il y a des ensembles très luxueux parce que ce sont des bâtiments du 16e, du 17e siècle. Et donc des tarifs qui montent très très vite. Oui. Mais il y a beaucoup de choses à vendre. Mais comment vous avez tout de même eu du mal parce que pour acheter une œuvre religieuse comme ça, il faut avoir des autorisations. Exactement, épiscopales. Épiscopales, et que visiblement, ça coince encore beaucoup. Oui, effectivement. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Parce que je devais m'installer au début dans. D'abord, j'avais eu une proposition dans le diocèse de Rouen. J'avais rencontré Mgr Lebrun, qui m'avait très, très gentiment reçu, et qui, malheureusement, c'est les propriétaires qui ont changé d'avis, et j'ai pas pu faire cette opération. Donc ensuite, on a notifié l'existence d'un grand bâtiment intéressant, à Vérovre. Près de Paray-le-Monial. Près de Paray-le-Monial, dans le diocèse d'Autun. Je suis allé visiter l'évêque, Mgr Rivière. Je me suis présenté, nous avons eu une bonne heure et demie de conversation, il m'a écouté très gentiment, et il m'a dit je vous donnerai une réponse dans les 3 semaines. Effectivement, il m'a donné une réponse, mais une réponse négative, en disant, n'est-ce pas, je ne peux pas accepter votre présence dans ce lieu si important. Parce que c'est la ville natale de Sainte-Marguerite-Marie-à-la-Coque, parce que vous risquez de faire, avec votre détermination exclusive à la messe de Tridentine, vous risquez de faire une église parallèle. Alors, je me suis permis de lui faire une supplique. Et vous avez fait une belle lettre, en effet. Je l'ai fait un peu longue, très argumentée, pour lui demander qu'il veuille bien revenir sur sa décision. De laquelle nous allons extraire quelques passages, parce qu'en effet, vous soulevez des problèmes très importants. Oui. Parce que vous n'êtes pas seul, monsieur l'abbé, dans ce cas. Il y a une affaire à Marly-le-Roi.
Absolument. Oui. Et il y a, j'ai envie de dire, en attente, énormément de jeunes prêtres dits de la tradition qui n'ont pas d'affectation. Absolument. Monsieur l'abbé de Tannouarne qui dit la messe dans un showroom, qu'il paye de ses deniers, excusez du peu, un showroom. Ouais. Est-ce qu'un showroom doit être déguisé en église ou en chapelle? Il y a quand même un certain nombre de petites choses qui choquent. Alors mon argumentation, si vous voulez, auprès de Mgr Rivière, c'était « Messeigneurs », je vais faire un pamphlet d'ailleurs sur ce sujet-là, intitulé « Messeigneurs, ouvrez votre cœur ». Alors, oui, vous rappelez, et c'est important pour nous aussi, vous rappelez que Jean-Paul II a décrété cette Ecclesia Dei, dans lequel il a commencé à ouvrir les portes. Absolument, il a demandé aux évêques de s'ouvrir et d'accepter la messe tridentine. Alors, rappelons aussi à ceux qui ne seraient pas de la chapelle, si je puis dire, ceux qui n'y vont pas, ce que c'est que la messe tridentine. C'est la messe de toujours. Comme aimait l'appeler Mgr Lefebvre, la messe de toujours. Avant 1970, qui remonte au temps ancien de Saint Grégoire le Grand, et qui a toujours été identique, cette messe. Et donc c'est un drame. Depuis le Concile Vatican II, c'est un drame que le Paul VI a voulu changer, n'est-ce pas, et interdire finalement. Il ne l'a pas mis sur des textes dans ses textes, dans sa constitution Missale Romanum, mais sur le terrain, c'était une messe interdite, bannie, n'est-ce pas? Absolument. Le temps a changé, le magistère a changé. Arrive Benoît XVI et son merveilleux motu proprio sumorum pontificum en 2007, redonnant ou affirmant que cette messe tridentine n'avait jamais été interdite et donc qu'il était parfaitement possible de la célébrer. Et alors, ces pontifes n'ont pas, quand ils ont donné droit à la messe tridentine, ils n'ont pas pensé qu'ils allaient créer le schisme ou qu'ils allaient créer des églises parallèles, n'est-ce pas, à l'intérieur même de l'église mère. Donc les évêques sont malvenus aujourd'hui en disant, comme Mgr Rivière, excusez-moi. Des évêques, pas, on ne dit pas les parce que c'est général. Vous risquez, avec votre désir exclusif de la messe tridentine, vous risquez de créer des églises parallèles. Ben non, ça n'a pas été la peur des évêques, ça n'a pas été la peur ni de Jean-Paul II, ça n'a pas été la peur de Benoît XVI, ça n'a pas été la peur, et ce n'est pas la peur du pape François. Mais les évêques n'aiment pas cette messe tridentine. Certains évêques. Certains, comme vous dites, oui, vous avez raison, il ne faut pas généraliser. Et donc, ils font la guerre à cette messe. C'est le père abbé du Barreau qui m'a repris un jour à un pèlerinage de Chartres. J'employais l'article général « les » pour je ne sais plus quel groupe de gens, et il m'a reprise en disant « non, madame, des ». Oui, c'est bien. La leçon apportée. Il a raison, parce qu'il y a quand même des évêques de France qui laissent la messe tridentine. Et puis Benoît XVI a écrit des propos extrêmement dans son livre « Voici quel est votre Dieu, notre Dieu ». Il écrit « Il est important aussi de cesser de bannir la forme de la liturgie en vigueur jusqu'en 1970 ». Il écrit « La diversité des cultes ne nuit pas à l'unité de l'Église, exactement, bien au contraire. Par contre, l'interdiction de ces messes provoque des drames et une menace. » Absolument. Ce sont des textes de Benoît XVI que je me suis permis de citer et d'adresser à Mgr Rivière pour lui dire de changer son attitude. D'ailleurs, on voit que Benoît XVI continue à provoquer des scandales. Ah oui, comme vous dites. Son dernier livre, coécrit avec le cardinal Sarah, le mariage, le célibat des prêtres, on a agacé plus d'un. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas un scandale. Le scandale vient de ceux qui se scandalisent de cette vérité rappelée par Benoît XVI, c'est vrai. Il y a un livre qu'il faut lire, je crois, c'est La messe, une forêt de symboles. Ah oui, de Monsieur l'abbé Barthes. Oui, très bien. Qui est un livre qui est d'ailleurs présenté ce mois-ci dans L'Homme Nouveau et qui est évoqué par le cardinal Sarah. Ah oui.
Parce que je crois que un certain nombre de chrétiens ne comprennent pas que derrière chaque geste à l'Église, il y a une signification multiséculaire. Absolument. Et moi-même, le fait simplement de célébrer la messe ad orientem, n'est-ce pas, c'est tout un symbole. Oui. L'Orient, c'est le symbolisme de la lumière, c'est le symbolise le Christ qui est « Je suis la voie, la vérité et la vie », n'est-ce pas L'orientation, le nombre des habits, la façon de mettre ses ses étoles, le linge, de tel, dont j'ai appris qu'il ne devait pas être lavé, qu'il devait être lavé de façon très particulière. Bah oui, on ne doit pas laver. Il faut trois eaux, n'est-ce pas ? Trois eaux. Pour nettoyer le corporal. Ouais. Pour purifier le corporal. Mais ça, par respect, éventuellement, des parcelles qui pourraient rester dans le corporal. Oui, tout a une signification. Ah, bien sûr. Tout a une signification. Alors, il faut quand même dire que notre génération, je suis un tout petit peu plus jeune que vous, mais pas beaucoup, notre génération a quand même connu deux chocs. Alors, c'est rien, hein, c'est pas les bombes, c'est pas la guerre, donc je reste très mesurée. Mais on a quand même connu deux chocs. On a connu le 68, cette espèce de pensée cul par-dessus tête, passez-moi l'expression. Oui. et puis, cette révolution dans l'Église, ça fait beaucoup quand même. Ah oui, bien sûr. Moi, j'étais en 68, j'étais au séminaire français. Et j'ai assisté à la prise pas de la Bastille, mais à la prise de la bourse à Paris. Et j'étais complètement, à la radio, j'étais complètement affolé de voir cette situation révolutionnaire qui menacer notre pays. Et puis, bon, c'est sûr qu'ensuite, le drame... D'ailleurs, c'est Benoît XVI attribue à cette subversion morale de 68 la pédophilie dans l'Église, n'est-ce pas ? Ce laxisme moral a pour conséquence aussi, malheureusement, dans l'Église, Alors, des conséquences graves. Le concile avait commencé bien avant et en fait, c'était un mouvement de fond qui date des beaucoup d'années. Ça remonte au début du siècle avec le modernisme dénoncé par Saint Pilis. Oui, je dirais que c'est une des formes qu'a prise l'anticléricalisme pour casser l'Église de l'intérieur. Oui. Parce que on n'arrive pas, on expulse les congrégations, elles reviennent. Donc il fallait les supprimer de l'intérieur, les pourrir finalement de l'intérieur. Absolument, c'est le plan de la maçonnerie à l'intérieur, détruire. Non, mais il n'y a pas à vous excuser, je crois que je suis en train de lire les livres de François Brignot sur Jules Ferry, Jules l'imposteur et Émile l'apostat. Il n'y a pas photo. Oui, comme vous dites. Il n'y a pas photo, tout est clair, tout est dit, tout est annoncé. Le programme est bien clair. Rappelons en face le cardinal, le pape Benoît XVI, qui n'était encore que cardinal Ratzinger. J'avoue aussi que je ne comprends pas pourquoi beaucoup de mes confrères évêques se soumettent à cette loi d'intolérance qui s'oppose aux réconciliations nécessaires de l'Église sans raison valable. Donc je crois qu'il faut bien insister cela. Ce sont tous ces textes-là que je me suis permis d'adresser à Mgr Rivière et que je mets dans mon prochain petit ouvrage que j'ai intitulé « Messeigneurs, ouvrez vos cœurs ». Alors, moi, je crois que, humainement parlant, je fais pas de la psychologie à deux balles, mais je crois, monsieur l'abbé, que vous êtes quand même très gênant. Encore une fois, vous comportez comme un fondateur d'ordre au Moyen-Âge. Vous trouvez l'argent, vous achetez un grand bâtiment et vous lancez une affaire, une entreprise. Et eux sont dans une attitude totalement différente, sans un sou, en cherchant à vendre. Alors, vous achetez, eux vendent. Il y a strictement aucune possibilité de conciliation. Je pense qu'il faudrait que vous vous mettiez à leur service,
pour qu'il puisse acheter de nouveau des CD et pour retourner dans une dans un comportement ça serait de conquête. Ça serait mon souhait, je leur ai dit. Je suis à votre disposition. Regardez, le peuple de Thiviers s'est enchanté de voir ce couvent revivre. Mais bien sûr. Et il faut un évêque. J'imagine qu'il vous j'imagine, on ne parle plus de l'évêque, monsieur l'abbé. J'imagine que vous avez dû recevoir des dons des gens de Thiviers. Peu. La mairie, non ? La mairie vous aide ? La mairie ne m'aide pas. Mais elle va peut-être le faire. Oui, peut-être. Elle va peut-être le faire. Mais disons, l'évêque, précisément, excusez-moi, je reviens sur l'évêque, il m'a dit surtout, ne quittez pas sur mon diocèse. Ah bah oui, bien sûr. Alors, non, mais ce que je ne comprends pas, c'est cette absence de réflexion sur le fait que l'argent ne rentre pas. Et ça, à mon avis, c'est le nerf de la guerre. Mais non seulement l'argent ne rentre pas. Oui, mais bien sûr. Si, mais non seulement l'argent si nous ne rentre ne donnons pas. Mais les séminaristes ne rentrent pas. Si nous ne donnons pas, bien évidemment. Et alors, qu'ils regardent, l'argent, et qu'ils ouvrent leurs yeux et qu'ils voient que tout le courant de la tradition, regorge de vocation. De vocation, oui. Et pourquoi ? Parce qu'ils aiment le sacré. Bien sûr. Et qu'on ne se donne pas totalement à Dieu. Non. Pour des choses ordinaires et vulgaires. Pour devenir un homme comme les autres, voilà. Qui va se marier puis divorcer. Exactement, absolument. C'est sûr. Merci beaucoup, monsieur l'abbé, de nous avoir rappelé ces choses. Et en tout cas, sachant que quel est votre combat et soutenons votre combat. Pour vous écrire, vous envoyez des sous. Alors, voilà. Vous êtes sur D'Artagnan ? Oui, non. Enfin, j'ai eu une opération sur D'Artagnan. Sinon, mais on il écrit, faut tout simplement tout, écrire au monastère. Couvent Saint-Paul. Couvent Saint-Paul. Thiviers. 6 rue Bertrand de Borne. Je pense que Couvent Saint-Paul à Thiviers, le facteur ça sait. Oui, et Thiviers, 24 800 Thiviers. Thiviers. Bon. Voilà. Eh bien, nous et sommes. Et encore merci à tous les gens qui m'écoutent et qui vous seront désireront que vous invitez à venir visiter Thiviers. Ah ben oui, j'invite toute personne à venir visiter le couvent. Et ils verront, n'est-ce pas, la qualité de ce bâtiment. Tout de pierre. Pas une fissure. Mais je viens de recevoir un coup de téléphone hier ou d'avant-hier d'une dame très bien me parlant de l'isolation à 1 euro, oui. N'est-ce pas ? Oui. Eh bien, ça va se faire. Eh bien sûr. Et oui, donc j'aurai à voir pour 1 euro tout votre bâtiment, toute votre toiture isolée, toute la toiture isolée et non seulement la toiture, mais le rez-de-chaussée, la cave. Bravo. Alors ça sera si vous voulez non pas l'aide de la municipalité, mais l'aide du gouvernement. ne le disons pas trop fort parce qu'il pourrait se rendre compte que ce n'est pas laïque. Ah oui, attention, c'est pas laïque, oui, c'est attention. Vrai. Voilà. Merci beaucoup en tout merci cas. Merci de et votre invitation. Et nous allons nous rendre à Thiviers. De votre sympathie. Merci beaucoup. Vous serez la bienvenue. Amis de TV Liberté, à très vite. Mmh.